Hop là. Normalement, ça c'est bon. Oui, déjà 7 mois. Ouais, merci tout plein Dragon's 4. Ouais, faites attention à vos sous-sous, comme on dit. Donc là, je diffuse ma tronche. Je vais rouvrir dans le Discord la vocale commune. Alors. Oula. Là, je suis en train de me fourvoyer. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Pi 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 pi. Oula. Bah, pourquoi il me fait... Il me garde dans mon Discord l'alerte. Ah oui, c'est parce que j'ai pas défilé jusqu'à tout en bas. Ok. Voilà, il faut que je change le canal sonore parce que là on s'entend en écho, c'est ridicule. Voilà, ce sera mieux. Ouais, je m'entends dans les cages à miel. Enfin, dans les écouteurs, bien évidemment. Ah, non, je vais peut-être rester sur le... Ouais, le direct Twitch pour régler les volumes s'il y a besoin. Donc, me reviendront, oui, quelque part, reviendront, Nash, Torota, Dragon Sky, reste ouvert ma vocale direct Twitch, mais pour ceux qui ont de l'expérience ou qui m'accompagnent dans cette journée spéciale, Zero Scroll Online, voilà, merci de votre compréhension, parce que sinon, ça va être le bazar. Et là, pour le coup, comme le jeu est très riche en contenu, faut s'accrocher. Moi, c'était tomates farcies avec du riz à midi. Oh, sympa! Moi, je me suis fait des restants de nuggets de poulet avec un restant de salade de taboulé à la menthe. C'était pas dégueu. Et j'ai fini tout simplement au dessert avec des yaourts aux fruits. Renache! Oui, le repas était bon, le baron. Oui, merci. Ouais, ça remplit le bidon. C'est l'essentiel. Alors j'espère que j'oublie rien. Parce que du coup j'étais tellement relax durant la pause déjeuner là à manger peinard et puis à réécouter mes clips. Il y en a que j'avais déjà oublié honnêtement. Mais c'est déjà des beaux souvenirs grâce à vous. Alors oui. Attendez voir que je vérifie. Où s'est barrée la fenêtre? Parce que du coup, j'y vois rien. Ah, Dakodak. Oula. donc. Oula. Il est en PLS, 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 comme les autres. Mon Dieu, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. Allez, je vérifie 2-3 bricoles et puis. Ouais, pour moi, c'est correct tout ça. Ça, c'est bon. Oula, oui, après, non, c'est le bordel. Oui, bon, bref, je reverrai une autre fois. Pa, 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 pa. Bizarre. Ah, oui, non, je crois savoir pourquoi ça fonctionne comme ça. Bon, allez, on va revenir au jeu.
C'est bizarre, l'alerte de Rabano n'a pas marché. Non, c'est normal, Dragon Sky, pour une raison toute bête. Alors oui, les sons marchent bien dans l'ensemble, mais en fait, tu as renouvelé ton abonnement au moment où j'étais pas sur la bonne scène. La scène spéciale clip, compilation, ou la scène quand je vous présente les balades, les promenades, qu'en est une autre variante, les alertes sont dé désactivées pour pas déranger l'ordre d'affichage. Non, c'est normal, malheureusement, Dragon Sky, tu as renouvelé l'abonnement au moment où j'étais encore sur la scène de clip. Voilà pourquoi. Les alertes sont pas forcément tout le temps rattachées à toutes mes scènes. Il y a des exceptions. Non, désolé, oui, si tu voulais voir l'alerte, c'est... Tant pis. Désolé. Pff, oh, je vais y arriver. Oui, non, bah non, faut que je fasse jouer et que je relance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement changer de... Oui, carton jaune, dit FunFun. Oui, j'ai truqué, je sais. Alors, la bonne scène, mon écran, voilà. Et là, je vais lancer à nouveau le Tezo. Et je vais su suivre, vivre la suite de mes aventures. Ah. Pa 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 la pa pa la pa. Putain, il y a une phase où le jeu. Ça a mis le bazar dans mes fenêtres, sur l'écran secondaire. Tant pis, c'est pas grave. Joie aux deux tiers le chat, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais non, mais je veux pas mettre sur Discord puisque je suis déjà en direct Twitch. Je le diffuse déjà, mais sur une autre plateforme. Connexion en cours. La la la. Il n'y a rien à faire. C'est bien, pilotage automatique. Tiens, hop, c'est tellement beau que je cache le curseur de souris. Donc aujourd'hui, je m'arrêterai sur Tezo aux environs de 20h. Peut-être un petit peu après. Je pense que je m'arrêterai entre 20h et 21h. Avec un peu de chance, je vais réussir à couper en 3 épisodes de 2-3 heures, chacun encore cet après-midi. Et ça me fera 5 épisodes pour YouTube. Que je mettrai peut-être pas à la date. J'ai tellement de vidéos à l'avance, c'est un truc de fou le contenu que je vous fournis. Je vais peut-être les glisser, les Tezos, exceptionnellement à la suite avec les The Forest qui tombent tous les dimanches. Ce serait peut-être une bonne idée. Parce que dans le calendrier, sinon je vais pas m'en sortir, ça va être un truc complètement fou. Alors, Breton de niveau 3. Oui, j'aime bien ma ceinture, elle est. C'est bien, je suis équipé. Bon, bah jouer. C'est bien, je vais reprendre un petit peu en solo, on va voir ce qui va m'arriver. Je pense que Dragon Sky va pas tarder à me rejoindre. Ah, il est encore à table. Hein. T'as bien raison, Dragon Sky. On n'est pas là pour courir, hein. Surtout, ne vous pressez pas. C'est tout le contraire, c'est zen attitude, relax. Oh, je me réjouis à l'idée aujourd'hui même d'aller en Balmora, la belle ville de Balmora, mais la découvrir dans sa version antérieure, qui est la seconde ère. Alors que dans Morrowind premier du nom, je sais plus si c'est la troisième ou la quatrième ère déjà. Mais c'est entre guillemets le futur par rapport à ce qu'on va vivre. C'est génial. Franchement, c'est vraiment une œuvre. Super bien écrite. Oh non, je vais pas faire ça. Ah. Oh. Il se cachait sous son sous son bureau. Cette apparition avec la magie du démon. Oh mon Dieu. Oui, donc je peux pas la dissuader de voler le parchemin, il faut que je le fasse Qu'est-ce que vous moi-même regardez? en mode ninja. En mode ninja. Oh là là, la belle fleur. Il n'y a pas une porte arrière. Une no.
Oh merde, je risque de me faire voir. Ou pas. Je suis caché. Vous enfreignez cette propriété. Accès restreint. Ah, porte de cellule. Non, mais c'est en haut dans son bureau qu'il doit y avoir un papier vierge, non? Juste shipper du papier, ça suffira. C'est quoi, c'est... Ah bah voilà, on nous voit arriver, Dragon Sky. Tu peux revenir dans la vocale Discord, hein, si tu le souhaites. Hein. Oh merde. Il a un vigie dans sa maison. J'avais même pas fait gaffe. Alors je vais pas le tuer parce que ma prime va être encore plus grosse. Ah, il va péter mon bâton, le salopard. Bon, il est où le papier que je cherche? Aïe. Ah, il est là. Voilà, c'est ça que je veux. Non, recette de... Mais je veux pas de recette, moi. Ouh. Mais calmez-vous, monsieur. Mais non, mais c'est pas... Ah, il faut que je fouille dans le meuble, peut-être. Non. Attends, mais j'y comprends plus rien, là. Ah, il m'a cryogénisé. J'adorerais faire ça. Oh. Tiens, d'ailleurs, je vais faire mon sort. Oh, je l'ai étourdi, le malheureux. Oui, c'est là où je comprends pas le jeu. Mais c'est pas ça que je veux. Pourquoi il me permet pas de... Ou alors faut que je sois en furtif pour le prendre ou... Attends, moi je vais me planquer dans le... Mince, il m'a cryogénisé. Voilà. Tu me feras plus bobo, je suis dans... Ah si, il peut. Merde, il a de la portée, ce salopard. Ouais. Je comprends pas. Là vraiment, je comprends pas. Mais oui, mais ça va pas. Attends, mais c'est du délire le truc. J'ai l'icône comme quoi je dois prendre le truc, mais... Donner un parchemin vierge au gouverneur. Je comprends pas. Ouch. Oh, j'ai paru au bon moment, moi. Ou là, faut vraiment que je me fasse pas voir. Mais... Je sais pas, bizarre. Il y a une prime parce que vous avez commis un crime ou été surpris dans une zone d'intrusion. Vous devez la payer pour blanchir votre nom dans l'activité criminelle ou jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Je suis un peu recommandable. En conscience d'une prime sur vous, s'ils vous voient, ils vont vous arrêter. Refuge hors la loi. Votre prime diminuera avec le temps. Oui, d'accord, mais. J'ai toujours pas le... Est-ce idiot, il est toujours là? Ah oui, merde.
Ah merde, bah oui, bah oui. Je comprends pas. Là, 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 ça marche pas. Ou alors, faut vraiment que je sois en furtif. Je recommence avec mon super sort. Enfin, si je peux. Allez, viens ici. Ah, puis attends, il y a des bouquins à lire. Ah, faudrait que je les lise plus tard. Attends, je vais reprendre ma vue normale. Oh, le coup chargé. Oh. Mais j'ai pas pu sortir de la pièce, il m'a suivi. Ah, il est chiant. Allez, bam. Moi, du coup, j'en profite pour me barrer. Mais... je comprends pas. Allez au tombeau ancestral des Andamans. Ah, j'ai ce qu'il faut, alors. Mais il a fermé la porte ou... Attendez, mais il y a un bug, je peux plus sortir. C'est une blague. Je peux plus interagir avec la porte. Comment ça sonne? Non, lui il est sonné. Eh, sérieux, je comprends plus là. J'ai réussi à entrer et sortir et maintenant je peux plus sortir. C'est une blague. Là, là je suis victime d'un bug, c'est pas possible. Normal, tu es en combat. Ah bon, d'accord. Voilà, là il a semé, donc s'il ne me suit pas, je peux me barrer. Voilà, là je me barre. D'accord, oui, merci Dachelman. Il faut plus que je sois en joue. Donc j'aurai le papier vierge? Je comprends pas. Parce que maintenant il me dit d'aller au tombeau du machin. C'est pas clair. Franchement, c'est pas clair. Ah, c'est bien. Dragon Sky qui diffuse aussi de son côté. Si vous voulez voir Dragon Sky et ce qu'il vit en même temps en parallèle de moi, n'hésitez surtout pas à aller voir sur sa chaîne Dragon Sky. Ça peut être intéressant de voir aussi de son point de vue. Mais c'est bizarre, pourquoi je le vois déconnecté dans le jeu? Ah, il fait peut-être une intro sur sa chaîne, peut-être. Oh, c'est beau, j'avais pas encore vu de jour. La cité de Vivec doit être pas trop loin. Alors, entrée dans le tombeau ancestral des Andrailers. Pourquoi il me parle de la... Je parle avec elle? Ah, oh, notre client préféré. Que puis-je faire pour vous? Oui, mais là, j'ai pas le niveau pour faire la persuasion, donc ça va pas. Oh, le bazar. J'avais reçu une pièce d'or pour chaque minable que j'ai coincé. Je serai riche. Je me contenterai de votre prime. Oui, mais ça va, j'ai la chance d'avoir des sous-sous, des objets volés, ouais, tiens. Mais oui. Foutez le camp, racaille! Ah oui, je suis en règle. Attends, le tableau ancestral... Le tableau. Le tombeau ancestral des... C'est forcément Nexter. Les grandes maisons ont leur rôle. Oh là 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 là. Faudrait que je lise ça de ces jours.
Attends, j'ai bien vu. Il y a la bestiole qui est sur le champignon. Ah ouais. D'accord. Et B. Le chanoine, le malheureux. Je ne peux pas abandonner le seigneur Vivek. Ces monstres, c'est trop dangereux. Que vais-je faire? Ah, vous connaissez bien l'architecture des lieux. C'est la chanoine Valassa qui vous envoie. J'en suis certain. Elle est donc arrivée à Sedanin. Vivek soit loué. Pouvez-vous m'aider dans ma mission? Il serait sacrilège de ne pas entrer dans le tombeau de ma famille pour mener les recherches demandées par le seigneur Vivek. Alors, je vous aiderai à pénétrer dans la tombe et poser vos questions. Comme le disent les saints, le tribunal répond à nos besoins. Par contre, il va falloir être prudent. Des Dédras ont envahi la tombe. Difficile de parler vrai, bonjour. Lorsque des monstres tentent de vous tuer. Re Dragon Sky. J'aurai également besoin de votre aide lorsque nous atteindrons la salle d'invocation. Alors, du coup, là... Oui. Voilà. Bah, du coup, là, je suis de retour. Hein. Pour vous jouer un mauvais tour. Ah, c'est cool, merci. Oh, c'est sympa. Alors, tu vois, j'ai galéré le temps que tu ouvres ton canal. Donc, j'ai invité ceux qui étaient intéressés à voir ton point de vue à se rendre sur ta chaîne. Et j'ai galéré, en fait, pour le coup du vol du papier vierge, là. Et j'ai pas tout compris. Heureusement que Nash m'a dit que j'étais en combat, que je pouvais pas me barrer comme ça. Et bon, finalement, voilà, j'arrive à progresser. Là, je suis devant la tombe des je sais plus qui, là. Alors, quel jarre d'aide? Prenez ce parchemin avec les demandes du seigneur Vivek. Tandis que j'invoquerai l'esprit de mes ancêtres et que je tâcherai de maintenir le lien, vous devrez poser les questions. Il tient à ce que nous respections sa formulation exacte. Alors, du coup, ça, je peux fermer. Dès que vous serez prêt, ça, je peux laisser comme ça en même temps que j'écupère un petit peu les drops. Ah, j'ai eu un drop entre temps. C'est bien. De chez toi. Depuis directement chez toi, j'ai eu un drop. Du coup, faut que j'active le code qu'ils m'ont donné. Mm-hmm. Qu'il y a un code qu'ils m'ont envoyé, un code réponse. Mm-hmm. Non, je vais pas quitter mon chat. Ah, mince, trop tard, je l'ai quitté. Ah, l'erreur. Alors, c'est pas grave, j'ai ouvert Chatty, cas si jamais il y a un incident technique. Oui, très pratique Chatty, oui, tu fais bien d'en parler. J'invite tous les diffuseurs à s'intéresser au logiciel gratuit et très complet qui est Chatty, C-H-A-T-T-Y. Il est vraiment excellent. C'est avec celui-là que je suis en train de vous suivre sur mon écran secondaire. Ce qui justement m'empêche de vous mettre des vents et c'est rassurant pour le diffuseur. Donc, je converse avec le chanoine Levulle. Enfin, oui, Levulle. Je lui dis, j'aimerais vous poser quelques questions avant de pénétrer dans le tombeau. J'ai déjà perdu. Ils me disent, votre code n'a pas pu être pris en compte. Il est peut-être invalide ou déjà utilisé. Ou il n'est pas valide sur votre plateforme. Vous assurez d'avoir entré les 20 caractères fournis par Interscroll Online. Pardon ? Pourtant, c'est le code qui est juste. Hein. Bah alors ? T'es sous la plateforme Windows? Bah oui. En OS. Ouais, c'est bizarre. T'as pas confondu un O avec un 0, un truc du genre là? Non, même pas. Un B avec un 8, je sais pas. Alors, pourquoi le seigneur Vivek veut-il que vous contactiez votre ancêtre? Je ne sais pas vraiment et je ne me sentais pas à le demander. Lorsque votre dieu vivant vous confie une tâche, on ne peut qu'accepter sans se poser de questions. Les questions font référence à une époque précédant le tribunal. Bon bah tant pis. Hein. Qui explique qu'il souhaite parce que comme le il est lié sur mon adresse mail principale Gmail. Mm-hmm. Du coup il est lié sur mon il est le TESO il est lié sur la PS4 et non sur PC. Mm.
Et du coup, les drops Twitch, c'est un problème. Ah oui, alors là, je pourrais pas t'aider. Le fait que t'aies le même jeu sur deux plateformes différentes, sachant que c'est un jeu en ligne, je sais pas comment tu peux gérer et aiguiller comme tu le souhaites. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment ballot. Bah oui. Il faudrait plus demander à Nash quand il sera disponible, puisque Nash Evman est, de ce que j'ai compris, a la plus grande expérience. Il faudrait que je dise aussi les drops Twitch dans connexion. Mm-hmm. Je sais pas comment. Il faudrait que je dise aussi. Parlez-moi de votre ancêtre. Peu de mes contemporains peuvent se vanter d'avoir un ancêtre si prestigieux que Farena Andrano dans leur arbre généalogique. Dame Farena. Ouais, je dissocie un truc. Et fit partie de ses compagnons quand le tribunal prenne le pouvoir. Misère de misère. Qui est ce Tassil ? Qui est ce Tassil ? Autant demander qui sont Elder Scroll, machin. Tac-tac. Sotacil est l'architecte du temps et le dompteur d'Oblivion. Si vous voulez, bon, c'est son... des petites pépins techniques, hein, mais bon, qui est un peu chiante. Voilà, là, je suis sur mon ancien. Dans le tombeau. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'était pas là la dernière fois que je suis venu présenter mes hommages. Le chanoine Valassa pense que... Là, c'est mon ancien contact de Tezo. C'est Elder Scrolls Edition Online Elsewhere. C'est au pays des Khajiit. Ah oui. Un jour, il lui fait le show. Pardon, je zappe un peu parce qu'en fait, je me dois régler ma balance des sons dans le Discord. Ta voix paraît trop haute, Dragon de Feu, Dragon Sky. Alors, ah oui. Ne touche à rien de ton côté, hein. C'est à moi de faire le réglage. C'est bon, votre compte Twitch a été déconnecté de votre compte ESO avec succès. De mon ancien compte. Ça, c'est bon. Voilà, j'ai réussi à le délier. Mm-hmm. C'est bon, j'ai réussi à le délier. Tu relis avec ta version PC. C'est ça. Réactiver les drops. Et je suis un... Puis CC... j'ai plus le chat. Pardon hein, pour le jeu de fenêtre, mais... sinon, je ne m'en sors plus. Moi, j'ai pas de jeu de fenêtre pour le moment, donc ça. Bah, j'ai presque envie de dire tant mieux pour alors, toi. Alors, c'est où Drop ? Une dizaine d'applications et plusieurs fenêtres. Drop récompense. Voilà, pardon. Je suis prêt. Avant allons d'entrer dans le temps, et d'affronter ces monstres, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie votre aide. Prenez toutes garde à ne pas perdre le parchemin contenant les questions du Seigneur. Je cherche les campagnes. Allons-y. Les appelons mon ancêtre. Je vais ouvrir la porte du tombeau. Suivez-moi, mais guettez l'apparition de Dédra. Mais je suis plus connecté. J'ai déconnecté, j'ai délié votre truc. Bon sang. Attention. Ces créatures nous ont attaqué dès que nous sommes entrés dans les stages. Du coup, je réessaye de mettre le code maintenant. Mmh. C'est ça. Il n'a rien à me dire, le chanoine. Le code, c'est tout en bas. Oh, j'adore l'ambiance. Oh là 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 là. Ça fait largement Morrowind 2.0, quoi. Mais 20 ans plus tard, c'est émouvant. Non. Oh. Avec utilisé. Votre code n'a pas pris en compte. Mais oui, c'est ça. En train de bouder à moitié. Et là, en post-christum de la part de Bethesda, vous êtes reconnu comme un paria, un voleur. S'ils font le lien avec le virtuel, c'est l'horreur. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Oh my dieu. Quoi ? Ils me disent code invalide. Bah, sur le site officiel Tezo de mon ancien compte. De mon compte PS4, oui. Ils disent que le code est invalide, que j'ai reçu par mail. Ah, c'est bizarre. Prends le temps de bien lire les instructions, parce que c'est pas moi qui pourrais t'aider, malheureusement. Alors, j'ai reçu le mail il y a 3 heures, ils me disent « Vous avez rentré un code Elder Scrolls Online avec succès, il est en cours d'application sur votre compte. Vous trouvez plus de détails, ainsi que votre reçu ci-dessous. La caisse de couronne Ouroboros. » Ok.
merci. Il y a de ces créatures. Gérer l'abonnement Tezo. Alors là, je comprends plus rien. De toute façon, là, j'ai délié maintenant. Je pense que là, maintenant, ça va ça s'actualiser. Peut-être faut attendre 24 heures pour que ça se actualise. Ah, bah tu referas le point demain. Ouais, je leur fasse le point demain. Je suis en train de tout piller. Oh, soupe à la tomate. Bon, ben, décidément, tant pis. Hein. Un grand magicien avec un bâton comme le mien. Regardez où t'en es, toi. Où es-tu? Ah, mais c'est plein méchant. Ah, t'as au tombeau ancestral. Oui. Ça commence à chauffer d'ailleurs pour moi. Moi je suis toujours dans la quête tranchée de brouillard. Ouais, je vois que tu perds petit à petit des points de vie. Oui, je gère comme je peux. Moi je vais aller secourir des esclaves. Hein. Ah, oh, une belle chose. Tu essayes de te racheter dans le Star Yamuno? Ouais. Le bateau de l'île. Je suis sur l'île de Brûle-Falaine. Oh. Oh! L'île de la falaine embrasée. Original comme mort, j'ai bien aimé. Yébie. Non, le grand mage, pas besoin de parler. Non, moi je fais ma quête normale. Oh, j'ai envie un cœur de dalle. Les... C'est intéressant l'alchimie. Voilà, secourir les esclaves. Wow. Oui, vous êtes libre, j'essaie de me racheter en tant que voleur. Ah, il y a de la Nirnout. Ah, c'est de la Ninavre. Oui, mais c'est de la Nirnout dans Skyrim. Que ça fait un son, spécial. On dirait plus qu'un enfant. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, comme t'as voulu. Eh oh. Quick. Il y avait un bandit qui essaye de me tabasser. Ah. Bon bah c'est bien. Des méchants. Ah, on peut s'y perdre dans les tombeaux, c'est si grand par moment. Oh, une pierre de lune. Au naturel. Ah, un bouquin. Que je ne peux lire. Ah bon. Soit. Ah, m'a fait peur. Mon dieu. Que de souvenirs. Tu as la carte en appuyant sur M. Oui, monte en niveau. Wouhou. Oui, M comme Mape en anglais. Ah, effectivement. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Ah oui, c'est un grand tombeau. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Comment on tente d'ouvrir un inventaire Magie. Je pars avec ma glace. Ah, je dois choisir des jambiers en fer. Quel est le poids le plus? 229 en armure. 2229 en armure. Voilà, recevoir la récompense. Un point de compétence en vigueur. Conseil oh compétence. Carbonisation. Carbonisation. Oh la vache. Je vais cramer des ennemis. Allumer la feu. Allez. Il reste plus qu'un esclave à sauver et ce sera tout bon. Et bien.
Oh, c'est une racine. Vache. On a des urnes. Tout prendre. Oh, c'est vide. Oh. C'était un endroit si paisible. Je venais méditer ici lorsque j'étais jeune initié. Ah, de l'or. Mais il me harcèle avec vous avez des récompenses, machin. Qu'est-ce que j'ai loupé? Sur une armure, je suis enchanté pour consommer une glyphe et apporter des propriétés spéciales. Oui, mais j'ai pas encore d'armure. Ah, choisis saison 1, d'accord. Pantalon, alors. Armure. Jambes en fer. Bah, les jambes en fer. Ouais, j'ai sauvé tout le monde. On a l'air vachement costaud alors. Ah, bah, je vais me rajouter de la magie. D'accord, ok, dépenser des points. Oui. Voilà, j'ai fini par sauver tout le monde, les esclaves. Appelle un braillard des falaises. Ouais, ça peut être rigolo ça. Équilibre vert, croissance fongible, fait immédiatement pousser devant vous une grande zone de champignons. Non, je voulais les fleurs, moi. Quand je serai au rang 4, d'accord. Ce sera pour bientôt le rang 4, je l'aurai peut-être dans l'après-midi ce rang, non? Il y a les niveaux, il y a les rangs, c'est pas la même chose. Oh la vache, les classements, toi. Ah, mais non, équilibre vert, il faut d'abord que je fasse usage de... D'accord. Ah, c'est parce que je m'acharne dans un... Ça y est, je viens de comprendre. Là, je peux faire brailleur des falaises. Colonisation nue et nette femelle. Oh la vache. Vivacité de faucon. Passif au rang 8. Lien avec la nature. Chacun de vos compétences qu'on s'achève, vous trouvez votre santé. Oh. D'accord, c'est quoi la passive là? Ah, il y en a plusieurs. Oh là 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 là. Alors attends, il y a de la lecture. Passive pour la glace. J'adore faire de la glace. Rang 8, rang 14, rang 22, rang 31. Déjà, bah je non, la présence glaciale, je vais la voir. Hein. Rang 8, là j'en suis déjà au 5. Ça va vite. Équilibre vert. Croissance accélérée. Ah, c'est intéressant. Les ronces vivantes. Oh la vache. Oh là là, c'est énorme. Je vous aiderai à pénétrer dans la tombe et poser vos questions. Ah. Plongeon, carbonisation. Ah oui, les chalques. Là, c'est des mouches. Nec femelle. Waouh. Non, bah équilibre vert en attendant, mais j'aurais hâte d'avoir le... Ouais, cette compétence est conseillée. Ah bah je l'ai en 3. D'accord. Ah, et j'ai encore droit à... Oh, je vais attendre. Je vais pas tout consommer. Alors les graines, c'est quand j'aurai le rang 4. Il faut vraiment que je m'exerce à faire les champignons d'abord, avant de pouvoir faire les fleurs. Je comprends mieux. Soit généralisé, rang 4, celui-là, ce sera débloqué lorsque Bacon de Return atteint le rang 4. Énergie créative, vous soignez, vous alliez. Ouh, 6000 points en 10 secondes. La vache, et la magie des âmes. Piège d'âme. Capture l'âme d'un ennemi
Wow, remplis une pierre vide si... Mais oui, les pierres d'âme, ça c'est pour les enchantements. Allez, je suis en train de faire le tombeau. Ouais, ah bah tu vas me rejoindre. Mais non, mais c'est énorme, c'est... Faut prendre le temps de bien lire, hein. Parce que la vache, il y en a des choses. Merde, mon inventaire, j'étais à combien? 42 sur 60, ça va super vite. Mais non, non, trop bien. Merde, c'est des vilains. Ah! On me court déjà après. Chaligo! Non, vite, mon sort. Je serai plus fort. Aïe! Où est-ce qu'il fait, lui? C'est... Ah non, c'est pas un joueur. D'accord, c'est vraiment un ennemi. Il va se calmer, le tranchant de mêleux, là. Ah, il m'a cryogénisé. Momentanément, enfin, il m'a neutralisé. Gros vilain, va mourir. Mais il va me tuer, salopard. On est à égalité, là. J'esquive, salopio. Eh ben, j'ai eu chaud. Wouh! C'était mon plus beau duel jusqu'à maintenant. Oh, le chanoine qui court au ralenti. C'est n'importe quoi. Il y avait 4 pièces d'or sur le vil gredin. Et lui, il avait rien. Stellite. Je sais pas qu'est-ce que Stellite. J'apprendrai ça au village. Anneau en étain. Ça me fera de la tunasse. Un pourpoint? Oh non, je veux pas dépouiller à ce point le tombeau. Ouais, bon, artisanaux, ça me fera un peu de fric. Hein, on n'a rien vu, c'est tes ancêtres. Ah, ah. Il n'y a pas des trucs planqués là. Je vois des choses. Oh là là, quel idiot. Oh, il y a du monde. Eh ben. Ih ! C'est quoi cette Rix ? Alors je compte les points. Ouais ! Merci de faire le boulot pour moi. J'aime les jeux multijoueurs comme ça. Ah là là, merci, merci, c'est gentil, je fais la récolte grâce à vous. C'est moi, bah oui, t'es, oui, oui, je te vois, t'es même endroit que moi. Tu m'étonnes. On se recroise. Hein. Oh, comme le monde est petit, bah alors, depuis le temps, qu'est-ce que t'es devenu? Un pourpoint aussi, j'ai récupéré, hein. Pourpointé artisanal. Hé, j'ai ramassé de l'obsidienne. Je pourrais vous la montrer en gros plan tout à l'heure, face caméra, mais... Attendez. Oh, je vais faire des bêtises. Je vous la montre tout à l'heure. J'ai la chance d'en avoir une en vrai sur pied d'obsidienne. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh. Aussi, j'ai trouvé de l'obsidienne. Ouais. Oh, reculez, parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est de la haute magie là que je vois. Ah, ouais, j'ai vu ça. Je mets ma protection et j'y vais. Ah, bah, il est mort. J'y vais après la maîtrise de l'incident. Je suis lâche. Qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Un cœur des draps, ok. Oh mon dieu. Attendez, ça va trop vite, j'ai pas tout fouillé. Mais... Moi je vais comme dit. Qu'est-ce moi, que je fous là, lui? Il va mourir, toi. Aïe! Il m'a neutralisé, le brigand. Oh, on régénère la vie. Je régénère la vie avec mes petits champignons partout, c'est une champignon partie. Il se cache. Pardon, qu'est-ce qu'il se cache quoi? Non, je recule parce que là il me patate fort. Cocotation, bonjour et bienvenue, Cool Zero. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un coffre là. Du mangadez. Oh. Plan porte-manteau alu monté. Oh, pas mal, avec un silex, dis donc. Il y en a des choses. Des crochets, des cendres.
Oh, encore une urne funéraire. Vous êtes calmé? C'est parce qu'ils sont calmés les ennemis, je crois, non? Ah, tout à l'heure ils étaient excités. Là j'en ai un petit de Vilgredin. C'est moi qui les ai excités là. Je le pique avec mon bâton dans la tête. Je suis très vilain. Il vient de pâcher de vise à trépas. Pendant ce temps, le chanoine continue à courir au ralenti. Mais mes bandes de vilains démons allaient mourir. Je vous avais déjà attaqué précédemment. Oh. Suite, là. Et c'est terrible pour un ennemi d'avoir le nom d'épave. C'est horrible. Je m'attaque à une épave. Ça parle mal. Alors, vieux débris, tu vas mourir. Quick. Burp. La 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 la. Attendez, je vous donne de la vie. Oh, fouineur confirmé. Ouh, j'ai un fouineur. Une table de rituel de la sixième maison était désormais trouvée à la fouille. Mais qu'est-ce que... J'ai pas compris, l'ennemi est devenu fantomatique, ça m'a fait flipper. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure aussi. Oh... Non, il avait comme une espèce d'armure invisible, il faut le patater pour le faire plus mal. D'accord. Pour le faire plier à notre volonté. J'ai trouvé la chambre d'invocation. Oh y a rien dedans. C'est beau. Il est beau. Oh, Torota a quitté l'apathie. Il est parti boudé. J'ai fait ce que je veux avec mon bateau. Le Seigneur Vivek demande le cœur du monde de la clé de l'ascension. Et dois-je me laisser envahir par l'appréhension? Attends, il n'y a pas de piège là-dedans? Il pourrait y en avoir. Oh! Un masqueur de ces... Ah, d'accord. Oh, autant de souvenirs. Ah. Oh! Te tiens pas derrière moi comme ça, tu m'as fait peur, abruti. Mais il est fou, le chanoine. Pas de moi. Non, mais c'est le chanoine, il m'a fait flipper. Je suis retourné, il était juste derrière moi en train de me regarder tout proche. Le Seigneur Vivek demande, ennemi d'antan, fourbe et audacieux, est-il de retour? What? Le Seigneur Vivek demande, Sota, si dans sa croisade éternelle, savent-ils que notre divinité se prétit et disparaît? Oh. Oh. Il y a du nickel dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a, le chanoine? Rien à dire? Rien à dire, le chanoine. Ah, restons près du feu, nous réchauffer un peu. Ah, attendez, je vais lui donner un coup de main. Vilain. Voilà. Ce sera ta victoire, bravo. Le spectre retourne au sommeil. Voilà, c'est bien. Oh. Le spectre a remis ses lunettes de soleil. Mais j'ai pas vu, il y a même des urnes là. Ah, j'ai du caca dans les urnes sont partout de retour. Il y en a partout. Ah. Ah, il y en a derrière le pupitre, non? Quoi, qui que quoi, j'ai entendu des bruits étranges. Je suis trop blague. Oh, le masque de Skaskaskin. Peut-être c'est moi qui fais mon bazar comme d'habitude. Oh, comment j'ai bloqué son attaque. On m'a demandé tout à l'heure. J'avais cru entendre. Non, tout à l'heure, Nash, hein, je t'appelais presque à l'aide dans le sens où c'était la scène où je devais voler le parchemin vierge. Là, je comprenais plus.
entre le fait que je pouvais pas me saisir de l'objet, la flèche est toujours sur le bureau, et que j'arrivais pas à me barrer des griffes du gardien de la baraque, je devenais fou. Mais bien content de te retrouver en vocal. Merci à toi d'être là. Revenir sur site culturel découvert. Encore un combat. Un attaque nouveau objet de collection a été débloqué. Eh ben dis donc. Oh, la vilaine bête. De l'obsidienne, j'en ai deux. Oh, t'as de la chance, je me reste pas qu'une seule. Kick. Oh, je viens de récolter un magnifique cœur de Draera. Vite, la carte, je suis perdu. Ah, il faut que j'aille là-bas. La 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 la. Ah, il fait son invocation, le monsieur. Prends ton temps, je fouille et je vole tout. Je dépouille tes ancêtres. Oh oh. J'ai de la compagnie. J'ai de la compagnie, vive la magie. Le grand Manitou, je vais pas tâter le grand Manitou d'abord. Généralement, dans Final Fantasy, je fais l'inverse. Les larbins en premier. D'ailleurs, ça va peut-être me porter préjudice, cette mauvaise stratégie là. Aïe, 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 aïe. Il m'a fait bobo, il va me tuer. Non. Non. Besoin d'un coup de main? Non. C'est chaud. Ils vont me faire crever, vite, fuyons, courage. Tu arrives trop tard. Revenir à la vie sur place. Amen. Et c'est moi, bon, je me ramène. Merci, Dragon Sky, tu es très fort. Oh. Maintenant, je vais te suivre parce que moi, j'ai fini ma quête. Ah, Mickey. Oh, piste. Rivée en acier du vide. Oh. Oh. Moi, je suis plein dans mon sac. Du coup, j'ai assez de trucs sur moi. Oui, t'as pas tort. Attends, j'ai 55 sur 60. Merde, je suis bientôt plein, moi aussi. Moi, je suis plein. Je suis quasiment plein. Je suis à 60 sur 60. On se ranger au naturel. Oui, je suis à... Oh là, mon dieu. Ah. T'inquiète pas, c'est moi qui fais les... Qui fait la foire fou. Qui fait les effets... Oh mon dieu. Les effets magiques. Je vois des choses. 1, 2, 3, soleil. Bah, pourquoi elle était pétrifiée, elle? Ah bah allez, c'est désintégré. Oui, j'ai marché dessus, j'étais très vilain. Elle est redevenue poussière lorsque je l'ai bousculée. Oh, quelle belle pièce. Votre sac est plein. Il y avait une recette, mais je peux pas la prendre. Ah, je la prendrai pour toi. Alors, oh, c'est beau. Qu'est-ce que... Qu'entends-je? Voilà. J'entends des choses, Dragon Sky, t'as pas idée. En train de manger, un petit... Ça va, bon app, voilà. Tranquille. L'autre, il présente son assiette, il mange devant moi. Et t'arrives à manger avec un home sur la tête. Ah ouais. Très très fort. Nous y sommes presque. Ensuite, nous pourrons invoquer mon ancêtre. Tout à fait. Oh. Ligue de compétences obtenue, alchimie. Ouais, ça c'est bien. Ah ouais, mais pas dragon. Ouais. C'est le bordel. Ouais, moi je peux envoyer des métis dragons, ça marche. Oh. Bah oui, hein. Ça, j'ai fouillé. Je suis en train de regarder si j'ai. Si j'ai tout fouillé dans le secteur. Ouais, ici j'ai tout fait. Je marche sur des braises. Ah non, je suis pas allé par là. Et je ne brûle pas. Ah, c'est bonne sieste, Torota. Pardon, j'avais même pas vu le message de Torota, il part faire dodo. Bah, bonne sieste, Torota. Bon, on le retrouvera tout à l'heure, Torota. Oui, il a bien raison.
crochet. Petite question, tu joues clavier souris? Oui, je joue avec ça. C'est un pur bonheur. Moi, je joue pas clavier et souris, je joue à la manette. Eh non, tu joues avec tes pieds. Ça parle mal. Oui. Je pense que là, on remonte. C'est pas le bon chemin, à mon avis. Peut-être qu'on descend. Vous pourrez lui poser non, suis-moi. Je suis au bon endroit. C'est juste, ouais. Ah oui, changer. Oui, j'avais remarqué. Merci, Tanta. J'en avais pris conscience tout à l'heure. Le Seigneur, je vais discuter avec madame. Vous seul pouvez répondre, madame. Madame, mon compagnon ici présent, fantôme, madame Kranos, avec votre permission. Ça parle mal. Parler à l'esprit ancestral. Ah bah ça va être plus facile qu'un Ouija dans des monologistes, hein, mon cher Torota. Farina, Andrano, oh là là. Bon, il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules chez moi, c'est normal. C'est les. C'est le fantôme. C'est le courant d'air. Non, c'est un courant d'air. C'est juste un courant d'air. Ah là là. Je suis bloqué avec un truc pour éviter que la porte elle, se rouvre à nouveau. Alors, je m'adresse à l'entité psychique. Ma question est la suivante. Le Seigneur Vivek demande, le cœur du monde, clé de l'ascension, dois-je me laisser envahir par l'appréhension? Ah, le Seigneur Vivek a toujours su manier les mots. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Oh, j'ai débloqué des styles d'armure. Sécurité. Je peux poser feu noir, F3, rouge garde. Posez les questions. Et ça coûte 100 pièces. Ça coûte de l'argent. Oh, des styles d'armure. Eh ben. Merci Torota, tout à l'heure. A plus. Bonne sieste. Alors, le Seigneur Vivek demande, l'ennemi d'antan, fourbes et audacieux, est-il de retour? Un ennemi d'antan, oui. Mais pas celui auquel pense Vivek. Eh oui, c'est pas encore le retour de Dagoth Ur. C'est dans le futur qu'on le découvre. Justement, dans le premier... Enfin, dans le Morrowind, le troisième opus dont je vous parle depuis ce matin. Alors, le Seigneur Vivek demande, sauta-t-il dans sa croisade éternelle? Savait-il que notre divinité se flétrirait et disparaîtrait? Sauta-t-il à imaginer de multiples scénarios et contempler infiniment les solutions. Il a même conduit des expériences sur sa propre divinité, extirpant de l'énergie pour l'étudier avant de la reprendre. Je me demande si c'est possible d'agrandir son inventaire. Mais je pense aussi. Ça les capacités du joueur. Je présume qu'on peut s'équiper d'un meilleur matos. Mais il faut payer pour ça. Ah bon, bah alors. Non, mais avec de l'argent, des pièces d'or. Pas la carte bleue. Ah, d'accord. Oui, on va faire le distinguo entre l'or virtuel et l'or réel, si vous voulez bien. Non, il faut aller dans un des marchands qui vend des sacs. Oui, merci. Et la même chose pour la banque, d'ailleurs. Cool réseau qui précise dans le chat pour l'inventaire. Oui, il faut acheter des sacs en pièces d'or. Merci de la précision. J'espère que c'est ce dont le Seigneur Vivek avait besoin. Oh, un joli petit gros blanc qui est passé devant mon pif. Oula. Il y a du monde, hein, dis donc. Oui, c'est. On se voit presque dans une discothèque clandestine, là. Oh, le bel animal. Oh. Attends, je sais qu'est-ce que je peux faire. Attends, non, pas ça. Oh, la belle bête. Oh, qu'il est beau. J'en ai fait une capture d'écran, tellement qu'il est beau. Alors. La discothèque Le Crâneur. Oh là là, il y a trop d'urnes. Ah, magnifique. Le piédestal au cadeau. Allez, ah, on s'en met plein les poches. Des crochets, de la flotte, tout ce que vous voulez. Ah, c'est moi qui ai invoqué des araignées. Je peux invoquer des araignées en même temps des dragons.
Ah, ah bah ça te va bien, tiens, le coup des dragons à invoquer. Non, moi je fais mon effet glaçon, je suis ravi. De l'eau naturelle. Là j'ai des crochets. Là j'ai une ceinture. J'allais dire une peinture. N'importe quoi. Je ne sais même plus lire. Là 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 là, y a rien d'autre. Oui, on retrouvera le chanoine dehors. Il allait prendre l'air. Je peux comprendre. Ça peut vite sentir le renfermé dans un endroit. C'est vrai que tu présentes bien Dragon Sky, la classe. Oh, un chapeau. Oh. Non, on dirait un gladiateur romain. J'attendrai un autre chapeau, une autre coiffe qui m'intéresserait. Recette à la Cambline. Ah, je vais me spécialiser dans le thé. C'est beau. Sortons de... Oups. La salle du souvenir. Oh oui, il y en a du monde. Alors, moi aussi, je vais fouiller un petit peu partout. Bah, j'ai déjà visité ici. Ouais. Mais oui, c'est... combien on est au début du donjon. Là, tu m'étonnes. Attends, la sortie... Non, déjà, non, non, je vais pas prendre parce que je l'ai déjà. Ah, des vilains. Des vilains dans la guerre. Baston. La 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 la. Je vais lui cacher la gueule. Ouais, patata, je me règle. Merci du coup de main. Et les ennemis de ne rien. Bah, toi t'as les bras qui congèlent. Moi j'ai clairement le dos, regarde. Oh. Donc, comment ça marche? Oh. Attends, je te vois plus. Oh oui. Oh. Toi aussi tu fais des voilà. Champignons mignons. Ah oui. Bah, moi c'est clairement les bras et le dos qui est congelé. Et donc. Eh bah, on va monter un boss band. Ah, ça te fait. Les garçons ah, mais ça. Ouais, mais ça donne un buff. Ouais, mais ça donne un buff aussi aux alliés. Et moi, ça me fait un effet buff, t'as pas idée. Oh mon dieu! C'est en gros une petite armure protectrice, en gros. Ouais, c'est bien. Se protéger, c'est un peu défensif. Ah bah tiens, il y a du monde pour tester ton aura défensive. Aïe, oui, aïe, aïe. Ah! Oh oui, bravo, tu l'as sonné. Trop bien. Oh, dans ses dents. Comment on l'a bousculé, c'était trop drôle. Allez, c'est relevé. Alors, ça je veux. Je pense qu'il faut qu'on sorte du dojo, mon avis, parce que là, Oui. Moi, j'ai rien contre quelques petits trucs. Bah, c'est bien de se patater un peu. J'ai mis un peu, ouais. Oh, la villette. Oh, magnifique. Comment qu'elle est morte comme un caca. Hop, bah, c'est moi qui envoie les dragons. Et les petits, petits dragonniers, là. Ah, il y en a encore. On y prend goût. Ah, cool. Ah, ça y est, il est mouru. Ah, attends, la carte. Je m'en sors plus. Oui, donc faut aller par là-bas. Ensuite, c'est la prochaine à droite. Ah, et c'est un petit donjon, celui-là, le pire. C'est ça qu'il faut se dire. Il y en a des beaucoup plus grands, normalement, en Moruine. Il y en a qui font je sais pas combien d'étages. Avec je sais pas combien de ramifications. Il y a certains donjons qui sont tellement grands, t'as deux voire trois sorties en extérieur. Tu peux passer d'une région à une autre rien qu'en passant en souterrain. Oh, c'était... C'est toi qui attaque un... Qui envoie des... Oh mon dieu. Ouais, monteur niveau. Ah, tu fais déjà des trucs qui me... Niveau 5. Table rituelle de la sixième maison. Non ! Table rituelle de la sixième maison ? C'est la maison interdite, celle de Dagoth Ur. Oh, il y a quelque chose à faire avec ça. Tu m'étonnes. Si c'est pour mettre la main sur les outils de Kragenak. Oui, pardon. Mais la sixième maison, oui. Je veux une petite bière, ça dérange pas. Non mais je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Tu vas me voir la petite boue et la petite bière. Oh, la petite mousse du chevalier. Oh, j'ai fait une capture d'écran. Tu seras indiqué comme sous l'eau pendant tes heures de service, c'est honteux. Oh oh. Ligne de compétence radicale.
Je vais aller en quête du froc de Dagotour. Alors c'est pas le froc de Dagotour qu'on va trouver. C'est pas son froc. À moi, allié. Échante ta forante. Ah. La sortie est par là, la sortie est par là. Bah. Pom pom pom. Ouais, c'est logique, il venait de dire que la chimie donne de l'eau fraîche. C'est bien que j'en récolte un max. Alors, le chanoine. Oh, par ce temps merveilleux, il fait presque plein soleil, il y a des beaux nuages. Merci de m'avoir aidé à accomplir ma tâche. Je dois à présent rentrer à Vivec. Y êtes-vous déjà allé? C'est incroyable. Des ziggourats qui sortent de l'eau et le satellite qui flotte dans le ciel. Vous devriez m'y retrouver. Je vous présenterai le seigneur Vivec. Avez-vous compris ce que nous a dit votre ancêtre? Entre nous, je n'ai compris ni les questions ni les réponses. Mais je m'y attendais. Certaines choses ne sont pas prévues pour les esprits des mortels. Voilà une autre raison pour vous de vous rendre à Vivec. M'aider à comprendre ce que mon ancêtre a dit. Je peux expliquer ce qui s'est passé ici. Excellent. Je dois juste m'arrêter rapidement à Sedanine pour prendre des nouvelles de mes précédents compagnons de voyage. Lorsque vous serez à Vivec, dirigez-vous directement vers le palais et je vous y retrouverai. Je sais que le seigneur Vivec voudra vous récompenser pour m'avoir aidé. Eh ben, on se retrouve à Vivec. Je vous rejoins vite. C'est sorti lorsque du donjon. Vous arriverez à Vivec. Allez directement au palais du seigneur Vivec. Une fois sur place, alors, du coup, si Pertine aussi en sort. Et nous de dirons cet enfer. Aux poètes tout ce que nous avons appris. Bon, pas si enfer que ça, donc ça va. Vous avez dit que je pourrais vous poser d'autres questions sur le tribunal après avoir terminé votre mission. Bien sûr. Comme je l'ai dit, le tribunal consiste en trois dieux vivants. Vivec, Almalexia et Sotacil. Ce sont nos guides spirituels. Ils dirigent la société des Dunmeurs en tant que dieu monarque des elfes noirs. Je sers Vivec, mais j'honore le tribunal dans son ensemble. Avez-vous compris ce que vous avez dit à votre ancêtre? Alors, est-ce que tous les elfes noirs obéissent au tribunal? Malheureusement, non. Les maisons Dunmeur respectent le tribunal, mais les cendres sauvages refusent d'accepter leur divinité. Réussi à me coincer dans la les hérétiques ont toujours refusé d'être assimilés dans les grandes maisons. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé ici. Leur superstition primitive. Coincé. Il y aura toujours des dissidents. C'est pas possible. Ah, il pleut. Moi qui disais qu'il faisait beau, bah tiens, vlan une averse. J'aurais mieux fait de me taire. Je vous retrouve à Vivec. Oui, mais moi avant je vais aller à Balmora. Je ne résiste pas. Oh, un alit. Ah, tu peux y aller, il y a pas de soucis. Hein. Oui, j'y tiens. Je veux absolument découvrir en air secondaire Balmora, que j'aime tant. Vous avez dit que je pouvais poser d'autres questions sur le tribunal après avoir terminé votre mission. Oh, la carte générale. Oh, tu peux encore reculer, il y a encore des choses à l'extérieur de ça. Ah non, c'est trop, ça déjà c'est énorme. Cyrodiil. Il y aura Skyrim plus tard, je crois. Ouais. Je suis le bord de ciel occidental. Que tous les elfes noirs obéissent au tribunal. Oh là là. Oh, le nord de Selwer, la partie. Oh, le sud aussi. Oh là là, chez les Khajiit. Mon dieu, c'est énorme. Oh, oh là, ah, c'est une grosse carte. C'est fou. Non mais dézoome encore, tu verras. Oh là là. Tant que tu y es, autant que tu vois tout. C'est vertigineux. Ah oui, en effet, en dézoomant, ça fait beaucoup de choses. Tu fais clic droit encore, tu vas voir au-delà. Moi, je vois la grosse carte générale Tamriel, tout ça. Ah. Oh.
oui, c'est absolument démentiel. Ah, faut trouver un marchand pour vendre mes anciens objets. C'est immense, Tamriel. Oh là là. Bon, moi je vais prendre la route de Balmoral. Tu me suis dans Dragon Sky ou tu vis ta vie? Tu veux quoi? Vous pouvez pas faire ça, je voulais. Oui. Ouais. Bah oui, je te suis, oui, oui. Oh, j'ai envie de partir en direction de Balmoral. Je résiste pas. Bon, attention, on va sûrement rencontrer des ennemis en chemin. Oh, il y a un Nesh. Oh. Tu dis Balmoral, tu dis. Oui, oui, oui. Il y a un truc là-bas, j'ai vu bouger. Moi, je peux me téléporter directement, parce que j'ai été visité avant. Ah bah dis donc, bravo, t'as du bol, moi je pouvais pas. Oh, attends. Allez, boum, on se retrouve dans le village. Hein. Oui, moi j'y vais à pied, à tout à l'heure. On retrouve un marchand. Oh, propriété. Ouais, j'ai trouvé une boutique de guilde. Ouais, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Et minimum 2 milliards. Non mais c'est blague. Oh, vache. Acheter une province complète, ça 2 milliards. C'est trop cher, hein. Encore une boutique de guilde. Prenez la place. Minimum une pièce. Prix maximum 2 milliards. 5 milliards, ouais. C'est un lampion, ça, La mission refusée, vous ne faites pas partie de cette guilde. Bah oui, allez-vous faire un sac. Attends, je suis en train de me perdre là, je suis en train de me faire happer par le paysage, je suis en train de me faire voir comme dans Minecraft. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ah si, c'est la bonne direction, c'est la bonne direction. Je peux rejoindre par là-bas. Je te vois normalement, oui, je te vois, t'arrives tranquillement. Oui, j'admire, je suis envoûté. Ah, là-bas, ça doit être encore un tombeau. Ou est-ce une mine? Ah non, non. En plus, il pleut. Ce sera derrière... Où je suis exactement, il flotte. Prendre un frottis. Ne plus légère. Frottis du tombeau ancestral de... Votre inventaire est plein. Je l'ai dans le cul, Lulu. C'est pas grave. Tu peux placer un marqueur en appuyant sur F quand la carte est ouverte. Ok, merci pour l'info. Merci, Cool Zéon. Oh, attention, faut pas que je sorte trop du sentier. Quoique je peux pas tâter les ennemis, mais... Oh là là... Tiens, pourquoi que ça fume sous le rocher? Ah, c'est volcanique. Ah oui, c'est des résidus du mont Carlate. Ah, du coup, ça fait sauna comme marre. C'est beau. Ta 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 ta. Ouais, nec femelle. Libellule au loin. Oh la vache, puff nix. Oh. Oh, un jeune mec. Waouh. C'est troublant. Mmh. C'est sûrement une forteresse. Orque. Vous là, étranger, j'ai une proposition à vous faire. Moi, tu m'abordes comme un escroc. Je te crois pas, pleutre. Ça parle mal. Oh, superbe. Oh, les ponts. Oh. Oh, Balmoral est magnifique. Ouais, il y a plein de chiens de Nyx, ça m'aurait étonné. Ah ouais, les châssis des marais qui viennent là. Ah, t'es déjà passé dans la ville? Ouais, une partie. Mais pas suivi.
Oh, c'est trop bien. T'es passé par où, toi? T'es passé par un espèce de pont? Oui, oui, oui. Uh-huh. Attends donc. Alors. Oh, je ne sais plus où aller, je suis ému. Je n'arrive pas à croire qu'ils veulent que nous agissions hors de la maison pour trouver Veya. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Wouah! Il y a de la vie au niveau des quais, c'est trop bien. Ah, ils font à cette époque des étalages sur pleine rue, d'accord. L'auberge de Netchemoreux, tiens donc. Ah, oh, même pas. C'est marrant, l'établissement n'est pas le même que celui qui sera présent dans le futur. Ça va, tranquille, Dragon Sky, je vois que tu te la pètes. Ibi. J'essaie de te faire une frousse avec les araignées. Ouais. Oh, ça va, je suis pas arachnophobe. Mais non, oh, c'est je vois que ça peut marcher. Ouais, effet de surprise. Waouh. Arrache-moi un café, ça, vrai. Tu peux faire ça maintenant. C'est un nouveau pouvoir. Attends, pardon, je suis troublé. Je te regarde, vas-y. De glace. Ah. C'est moi qui fais le pic de glace. Ouais. C'est de vos pouvoirs que j'ai acquis. C'est cool. Oh, un artiste. Il joue du PayPal. Oh la vache. Coucou. Ah, bonjour, tu une scène. Entretien de tout, c'est une mystique. Oh, magasin mystique, ouais. Ouais. Coûte-toi fromage. 10 000 pièces pour un étendard de la guide des mages. Bon, purée, c'est cher. Ah, des ordinateurs. Ouais, excellent. Non, ordonateur. Yep. Ordonnateur et ordonnatrice. Les gardes de Vivek. J'ai ramené mes gobelets clairvoyants de l'année dernière. Le temple du tribunal de Balmoral. Oh vache! Oui, en effet, c'est très gros. Et c'est très beau. Parce que. Quoi? La vérité en séquence? Non, sous forme de tableau. C'est énorme. Waouh. C'est beau. Ouais. D'accord, ça c'est la même chose. Ah, ça devait être une scène. Là, y'a une toi, ils ont une bataille. Pour l'instant, il y a moins de sages que qu'on joue à Tezo. Oui. Ah, non, je vois aussi. Faune et fleurs de Vardenfeld. Oui, Nash Evan est là aussi. Oh mon dieu, je fais des galipettes sur le noir. Je suis pas avec vous. Améliorer jusqu'au rang 2. Ah, j'ai lu un bouquin qui m'augmente une compétence. Oh la vache, c'est tellement un compagnon amélioré jusqu'au rang 8. Équilibre vert, rang 7 aussi. Oh. Ah bah c'est bien, ça augmente mes compétences. Étreinte hivernage jusqu'au rang 7. Quand tu connais? Pardon, j'ai mal compris, une scène. Laurent Houtan, tu connais? Ah, Laurent Houtan. Laurent Houtan. Bonjour Adjay. Bonjour Adjay. Quelle chimie, encore des bouquins, c'est extraordinaire. Oh. Là, tout ce qu'il y a à lire, c'est la folie. La lumière royale de Sentinelle. Mince, faut que j'arrête de quitter la lecture en mettant mon inventaire. Voilà.
ce sera moins violent, on va dire, au niveau du... Avis de recherche sur Dragon Sky Nord, pardon. La bonne blague. Moi, je veux que ça... Ah oui, les 36 sons de Vivek, oh là là. C'est un truc complètement démentiel. Déjà, dans le premier Morrowind, enfin, dans le, voilà, le jeu précédent, il est sorti il y a 20 ans, j'étais jamais parvenu à avoir tous les volumes. Il y a quelques sermons qui sont ultra rares, voire limite s'il n'y a pas une copie unique. Pour compléter la collection, c'est un truc de fou. Chant de Pélinal. Oh là 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 là. Faut attention, mais de cacher, en réalité, il existe un 37e terme. Oh. Le 37e qui dit en fait tout ce que vous avez lu précédemment, vous pouvez l'oublier, c'était que des foutaises. Non, je sais plus ce qui était écrit dessus. J'ai trouvé ça il y a 2-3 semaines. Ah, bah, j'ai c'est... fini Vardan Fell début de semaine. Ah, bien. Ah, ça a dû être une belle surprise. Oh, jolie carafe. Oh, ouais, il n'y en avait que 36. C'est pas partie de la même collection, donc pour le moment. Bon, bah, il n'y a plus rien d'intéressant de voir, donc on peut sortir. Mes enfants qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'il y a des structures gonflables sur la pelouse centrale, qui se trouve la Seine. Et ensuite, vous traversez la petite allée, vous faites quelques pas supplémentaires, et vous allez avoir deux autres structures gonflables. Il y a le CMJ qui vous. Il y a quelqu'un qui a gardé la télé super fort, donc. Moi, je dis, il y a une madame qui parle de structure gonflable. J'ai dit que cette dame ne manque pas d'air, hein. Ouais. Elle est complètement hors contexte. Dick, qui dit d'accord, madame. C'est ça. Ah, mon Dieu. Attends, c'est quoi cet animal? On dirait un tatou, je sais pas quoi. Oh, mon Dieu. Je vois des chiens. Le pantin chinois. Eh bien. Cause de lui le Covid. Oh. Ça parle mal. C'est ça. Attends, avant même de parler. Mon Dieu, mais comment qu'elle est votre réelle? Avant même de parler à qui que ce soit, je veux juste me promener. Parce que le plaisir de redécouvrir Vivek. Vivek sera après. Balmora, c'est. Waouh, j'en reviens pas. Ah, je la trouve un peu petite, la ville, moi. Bah, moi, je la trouve fidèle au... à Morrowind, quoi, de... Au plus... Dire, j'ai jamais joué à ce jeu-là. Je peux pas comparer. Ah, c'est... tu serais troublé comme moi. Parce que j'ai découvert... Jour, c'est pour ça que je suis attaché à Balmora. C'est parce que j'ai découvert la saga à partir de cet opus-là. Alors, Balmora... Voilà, j'y ai joué il y a 20 ans, je m'en souviens encore comme c'était hier, c'est pour dire à quel point ça marque. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je pense qu'un jour je le ferai, mort. C'est pas que j'étais déconnecté le jeu. La version d'origine. Ah ouais. Ah. Wow. Et pourquoi pas en direct? Oui, oui, oui. Non. Oui, ça peut être très sympa. C'est un mauvais réglage. Alors là encore, la difficulté, je trouve qu'elle est assez équilibrée. Alors que dans Morrowind, ce qui peut être très frustrant, c'est que tu peux passer tes 10 premières heures à te faire patater par des choses insignifiantes telles qu'un crabe, tu vois. Donc c'est très frustrant. Et ma partie, à la fin, quand j'avais fini la quête principale, je commençais les contenus additionnels. J'étais en mode Dragon Ball Z. Je pouvais voler et faire des boules d'énergie. C'était complètement craqué. D'accord, des bestiaires à tuer, une vingtaine de robots sont mis. Ok. Heureux, Christella. Heureux, Christella. On s'est lancé dans l'aventure de Tezo, moi et le singe. Et quelle aventure, visiblement. Oh. Ouais, je suis déjà perdu alors que je suis censé connaître Balmora, ça y est, j'ai... Attends, là ça monte dans le temple, non? Oh, c'est verrouillé. Cette porte est sérieusement scellée. Troublant. Ah, ça doit être une maison privée, ouais. Maison privative. Ouais, ou le siège d'une communauté peu recommandable, comme par exemple la mère de la nuit.
Par exemple, j'ai mes hypothèses. Putain, elle va chier des trucs. Bon, bah, content d'avoir visité Balmora. Oh, Kebo Kaji. Bon, un feu de cuisine, on peut utiliser. Oh. Il crée de la cuisine. Oh. Une femme qui joue. Lui. Oh, on peut se faire des filets de poisson maintenant. Utilisez feu de cuisine. Filet. Pour obtenir les ingrédients de cuisine de votre poisson dans le trophée, vous devez lever ces filets. Les sous du grand plein qui sont tout au bout du parc. Oui, madame. Il y a madame qui est en train de parler. Hein. Ouais. Minimum un requis, je n'en ai pas. Mais c'est intéressant. Ok. Pour faire de la bouffe. Afficher de la guilde des mages. Non, ça m'intéresse pas. De rejoindre les rangs des mages pour le moment. Mais après, je suis un elfe noir. Du coup, ça pourrait être intéressant. C'est pas faux. Quoi ? Il y a une note. Affichette de la guilde des mages. Examinée. Avez-vous soif de savoir, la guilde des mages n'accueille que les plus talentueux, les plus malins et les plus compétents dans ses rangs. Vous vous sentez à la hauteur, venez rencontrer Curinur à la maison de guide de Vivec au canton de Saint-Deline. Ah oui, ça m'intéresse, moi qui étudie les arcanes de la magie. L'invitation de Curinur. Ça aussi, ça doit être verrouillé, je présume. Il y a deux donjons publics hein. dans la zone où on est. Ouais. D'accord. Il y a six boss sauvages dans cette zone où on est. Ouais, c'est avec la céleste, il y en a 18. Mm. Oh, j'ai hâte d'aller dans des ruines, Zwemer. Les oratoires, il y en a 15 sur le toute la zone où on est. Il y en a sur le Vardenfell. Mmh. Avec des gros robots. Comment puis-je vous aider ? Oh. Ah, mais il faut aider à la guide pour pouvoir. Tu peux acheter normalement aux membres des marques guildes. Par contre, tu ne peux pas vendre. Mmh. D'accord. Ok, donc il faut trouver un marchand classique pour pouvoir me vider un peu les poches parce que je suis quasiment plein. Ouais. Je pense que c'est pareil pour toi, le sage, à mon avis. Même en notre époque troublée, on trouve des vents cléments et des affaires avantageuses. Vous trouverez ici toutes sortes d'objets. Bah, si je peux me. Bah, là, je vais me re-téléporter, c'est dans le petit village là. Petit quoi ? Le petit village. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est un. Voilà, je me suis téléporté pour le petit village, ouais. C'est là que je peux revendre mes. Bah, les objets d'intro que j'ai dans mes poches. Faut regarder, mais normalement, n'importe quel marchand, tu peux vendre. Mmh. Or, les marchands de guildes, en particulier. Ginette, l'imperfection féminin. Oh. Ne quittez pas le ciel des yeux. S'il n'y a pas de cendre au-dessus de vous, c'est qu'un full vase vous engendre. Que puis-je vous proposer ? Bonjour, elle de faire des bêtises d'activer sa vêtement. Permission refusée, ne faites pas partie de la guilde. D'accord. Alors, Cool Zero dit, si jamais j'ai tous les ateliers banque plus marchand dans ma baraque, c'est plus simple et plus rapide. Ah oui, vous pouvez m'ajouter en ami. Oui, c'est gentil, Cool Zero. Alors, je resterai pas aujourd'hui parce que je suis en initiation, ça fait beaucoup trop de choses en une seule fois. Mais merci de la proposition, c'est gentil, Cool Zero. J'ai déjà essayé dans les jours à venir à avoir en contact dans le jeu mes connaissances Twitch, tu vois, pour démarrer par là. Qui ont déjà fait tes os. Voilà, il faudra que je refasse le point. Et après, je resterai éventuellement ouvert, effectivement,
à faire des liens de compte amitié dans tes eaux. Merci de la proposition. Magistère. Ah ben ça y est. La guilde des mages aurait bien besoin d'une recrue de votre calibre. Nous devrions discuter. Ah, qu'est-ce que la guilde des mages ? La guilde J'adore. Des mages offre un havre de paix pour tous ceux qui souhaitent étudier la magie et les connaissances. D'ailleurs, l'un de nos projets actuels consiste à récolter et compiler toutes les sagesses de Tamriel, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Souhaitez-vous rejoindre la guilde ? Merci beaucoup, Cool, oui, qui précise qu'il est dans le jeu depuis 2014. Oui, depuis que le jeu a été lancé, quasiment. Ouais. Merci, merci. Obsidienne, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout, ça vaut que dalle, là, la vente. Oui, mais ça m'étonne pas, parce que l'obsidienne étant une roche volcanique, là, c'est de la lave vitrifiée, si je dis pas de bêtises, en gros. Comme t'es sur une terre volcanique avec justement le mont Écarlate, ils n'ont que ça en fait à débarrasser au pied du volcan. Alors, souhaitez-vous rejoindre la guilde ? Oui, 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 oui. Elle est prête ? T'as rejoint la guilde des mages ? Oui, je veux. Je rejoins toujours la guilde des mages. La guilde des mages en bonne forme, avec tous les privilèges qu'ils ont avec. Bon, j'ai vendu un petit peu mes... Votre réputation au sein de la guilde augmentera à chaque livre que vous récupérerez et chaque collection que vous compléterez. Pardon. Parce que rien que les mages, c'est vachement intéressant. Tu peux étudier la chimie, l'alchimie. Tu peux étudier les enchantements, c'est-à-dire capturer les âmes dans les pierres précieuses pour ensuite leur attribuer un sort et les fusionner avec un objet. Donc ça va loin, tu peux faire plein de trucs dans les sorts. Puis les sorts sont divers et variés. Enfin, c'est être mage, c'est un truc dément. Voilà, je suis étudiant de la guilde des mages. Voilà, non, c'est très bien. Ouais, j'ai débloqué la fonction des mages. J'appartiens à la guilde des mages. Donc là, je vais avoir un vendeur qui va me dire qu'il est de ma guilde, non ? Où était le seul représentant de la guilde des mages ? Bon, à partir du niveau 10, Météore, on débloque comme compétence. Hein ? Rayonnement, entropie, ruine de feu, stabilité, volonté persuasive, magie adepte, magie éternelle, contrôle de la magie, puissance de la guilde. Wow, il est bestiole. Toutes les compétences qu'on peut débloquer. Là, il y a l'escalier. Je me barre. Moi, j'ai ma quête toujours. Faut entrer dans le palais de Vivec. Oui, moi aussi. Enfin, quoi que là, maintenant, je dois parler à Curinur, qui est à Vivec, justement. Donc, on fera une pierre de coup. Le palais de Vivec, il se trouve à Pétochnok. Hein. Comment on a tout le temps de se promener, bah, faut juste espérer pas faire de mauvaises rencontres. Mais... Et ouais. Encore, là, c'est bon, on peut en profiter, il fait jour. Alors, par où ça mène, par ici ? Quoi ? Une botte chien de fer. C'est qui, lui ? Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Il y a une forteresse orc, mais je suis pas sûr. Bien joué. Oh, on l'a laissé de marbre. Il est désintégré avec la glace. Trop bien. Ah ouais, c'était stylé. Votre gélin, ça y est. Figé dans la glace. Chouille. Mais qu'est-ce que c'est que... Découvrez la mine. Ah, c'est une mine. Une mine. D'accord. Attends, ça satisfait ma curiosité, mais visiblement tu veux les friter. Voilà, tu, c'est bon. Tu veux qu'on s'amuse à les patater dans la mine, Dragon Sky ? Ouais, je m'amuse, hein. Oui, non, mais je vois ça. Non, mais ok, non, mais je suis prêt à te suivre. Je ne suis plus des gens, je m'amuse. Voilà, c'est horrible. Oh, elle me touche même pas, j'arrive à la guaquer, elle me touche même pas. Oh, c'est moche. Ça c'est drôle. Vous chargez. Oh la vache. Oh la violence.
Tiens, et on leur dit même pas bonjour. Un tour de rafraîchissement. C'est ça. Bonjour. Je vais servir les glaçons directement dans votre bouche. Bon. C'est n'importe quoi. Oh, l'agression à distance. Mais j'adore. Oh, joli! Comment tu l'as fait trébucher? Trop la classe. Il fait des coups puissants, c'est pour ça. Ah ouais, t'envoies du pâté, comme on dirait de par chez moi. C'est bas. Ou... C'est pas une porte, ça, par hasard? Allez, si, c'est une porte, c'est la mine, c'est l'entrée de la mine. Merde, je l'ai loupé. Mais où est-ce qu'il va, cet abruti? Oui, bon, on la voit clairement à l'entrée de la mine, mais... Tiens. Attends, ça va? Tu t'en sors? Ah ouais. Bon, c'est bien. Je tue les archers. Ouais, fais donc. Moi, je vais entrer dans la mine parce que je suis intrigué. J'ai vidé mes poches. Mais non, mon inventaire est plein. Voilà. Ça va pas, il faut absolument que je trouve un marchand, parce que sinon je peux pas piller la mine, merde. Ouais, faut que tu retournes par téléportation. Bah, c'est surtout qu'il faut que je me trouve un marchand, oui. J'ai complètement oublié. Faut qu'on retourne au premier village. Mais non, mais il y a bien un marchand qui, à Balmora, va accepter de me faire du commerce, pour arrêter la déconnade. Attendez, je sais même plus par où passer, tu vois, je deviens fou, là. Oh là là. C'est le bazar, c'est le boxon, c'est le bordel. Ah, c'est à lui qu'il faut que je parle. Non? Vous avez l'air d'avoir beaucoup roulé votre bosse. Lors de vos excursions, auriez-vous croisé une jeune elfe noire appelée Veya? Elle a disparu il y a quelques semaines et son père cherche désespérément n'importe quel renseignement sur sa personne. Il y a pas mal de bruit. Hein. T'en fais pas pour si peu, Cool Zéro. Oh là là, c'est gentil de vouloir aider, mais te dérange pas pour si peu. Toi, je découvre, je prends mon temps. Je n'ai croisé aucune personne du nom de Veya. C'est un vrai malheur. Son père, Eris, le conseiller de maison de Balmora, promet que quiconque trouvera sa fille et la ramènera en sécurité auprès de lui sera récompensé. Pardon. Alors, pensez-vous me donner des informations supplémentaires? Vous devriez parler avec le conseiller Eris. Il a ouvert la congrégation pour s'entretenir avec les candidats éventuels. Des indépendants, en fait. Oh. Si ça vous intéresse, allez lui parler. Plus le temps passe, plus il désespère. Bien le passé, là, quel débuté. Je parlerai au conseiller Eris. Vous trouverez le conseiller Eris à la maison familiale Redoran. Et faites vite. Il est troublé par notre incapacité à retrouver la jeune Veya. Ah. S'il pense qu'un étranger peut réussir là où les gardes de maison ont échoué. C'est quoi? Ainsi soit-il. Vous n'avez pas l'air d'apprécier que le conseiller ait fait appel à de l'aide extérieure. Cela ne me dérange pas que le conseiller Eris ait besoin d'aide. Le problème, c'est là où il est allé la chercher. La maison Redoran. Ah, j'ai trouvé un voyageur qui permet de conduire moi Vivek. Je n'ai pas à remettre. Mais c'est là qu'on doit y aller voir Vivek. Oui, on finira bien par y aller dans les heures qui suivent. Oui, mais c'est une grosse créature volante qui permet d'y aller à Vivek. Oh. Vas-y, à d'autres dragons. Alors, parlez-moi de la maison Redoran. Ah, comment peut-on ignorer la maison Redoran? C'est une ruse d'étranger, c'est ça? Oh. Mais non, c'est pas une ruse, juste savoir davantage sur la maison Redoran. Eh bien, dans la tour du caravanier. Redoran est la plus grande de toutes les maisons. Je suis arrivé bien Vivek. Nous suivons les vertus du devoir et de la piété. Nous avons une tradition militaire impressionnante.
Notre maison passe avant. Oh, j'ai trouvé l'oratoire de Videc en plus. Voilà, comme ça, ça permet d'aller plus rapidement. Un cap de givre peu présent a évolué. Moi, ce qui fait évoluer mon Veilla. Si je savais ce qui m'était arrivé à la fille du conseiller, je ne serais pas en train de vous parler, n'est-ce pas? Apparemment, elle est partie de son propre. On recherche des aventuriers. De ce que nous en savons, appel à l'aide. Il n'y a eu aucune sorte d'acte suspect. Au secours, on a besoin des aventuriers. Je vais parler au conseiller. Alors, qui est le conseiller Eris? Le conseiller Eris Relette gère les opérations des Redoran dans Balmora et toute la contrée environnante. Il est très puissant et dispose d'énormément d'influence. En temps normal, le conseiller ne laisse pas ses sentiments dominer sa vie. Les mais oratoires, donc, voilà, je débloque les oratoires au fur et à mesure. Oh, la magnifique ville de Balmora. J'adore cet endroit. Je serais vraiment doué, sans déconner. Alors, je me donne beaucoup de temps dans les années à venir, mais pour rendre hommage à cette œuvre vidéoludique, cette saga, dans mon serveur Minecraft, un jour je me lancerai peut-être dans une dupliquée Balmora dans Minecraft. Tellement. Comme un jour je m'amuserai à faire hommage à Diablo, vous savez, à faire le village de Tamriel. Ce serait rigolo. Un jour, voilà, dans les années à venir, parce que c'est du boulot. Voilà, oui, Tristram, comme tu l'as écrit, Nashelman. Et non, vraiment, Balmora, j'adorerais m'amuser à faire ça en version. L'on devine déjà, en version Minecraft, avec le lampion là qui pendouille. Je l'ai fait déjà, les lampions là, dans notre partie. Et ce serait pas trop difficile en fait, le temps de bien observer. Et oh mon dieu, c'est à qui l'ours féroce? Oula, c'est à Baby. Un gardien féroce. Eh ben. Oula, attention, je vais avoir des problèmes de droit, je suis en train d'entendre des. Je sais plus qui, j'ai des écrans de base. Je vais un peu, je pense. Oui, non, attends, je vais baisser le son de Tunsen, je suis obligé là, parce que je vais avoir des soucis là. Ah ouais, pareil. À la limite, je le mets à 66%, mais pas au-delà, parce que... Ouais, non, je vais me mettre 50, je vais pas prendre de risque. Je suis désolé, tu une scène, mais là, quand même, tu t'exposes à... À des sous d'auteurs... dont je devrais répondre... Oh mon dieu, j'ai du russe sur le chat, on voit que c'est international, enfin, le chat intégré au jeu, je précise. Bref. As-tu russe dans le chat du jeu? Oui, j'ai du russe sur mon écran, ouais. Écoute, prenez soin de vous, père. Vous avez toujours su. Ah oui, c'est lui. Cherchez-vous du travail. J'ai besoin de jambes fortes, voyageurs. Et vous avez l'air capable de vous protéger. Voulez-vous aider un vieux meurt à accomplir une dernière tâche? Comment puis-je vous aider? J'ai une obligation envers ma famille. Un devoir, pour être exact. C'est de la plus grande importance. Malheureusement, je suis devenu trop faible pour le mener à bien. Si vous acceptez d'apporter cette pierre mémorielle en différents lieux importants de mon passé, je vous paierai bien. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est de pierre mémorielle? Oui, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de remettre mon chat, moi, donc ça va pas m'aider. A plus, oui, merci d'avoir été là, Cool Zero, merci. Pardon, voilà, c'est ce qui arrive quand on chat. On arrive à en mettre des vents à son public, rien ne va plus. Alors, qu'est-ce qu'une pierre mémorielle, comme tu disais? Elle permet à quelqu'un de conserver des souvenirs pour les générations futures. Je souhaite le faire pour mes enfants, dont je me suis peu à peu éloigné. Utiliser ma pierre dans les endroits que j'ai indiqués. Eh bien, je l'emporterai la pierre mémorielle comme vous m'avez demandé. Que je souhaite archiver se mémoriseront. Très bien, je prendrai votre pierre mémorielle comme vous m'avez demandé. Je vous remercie de votre aide. On trouve de moins en moins de personnes pour aider leurs aînés à notre époque. Mmh. Mais j'imagine que la distance qui me sépare. Oh, ça nous a rajouté une quête en plus, hein.
plus que du leurre. Dites-moi en plus sur cette pierre mémorielle. C'est une gemme rare. Il y a bien longtemps, les guerriers Rougegarde la portaient au combat. L'un des plus célèbres était une épéiste du premier âge, nommée Makelaleki. Aucun historien ne s'intéressera à mes pensées, mais peut-être que mes enfants les chériront un jour. Comment avez-vous acquis une pierre mémorielle ? Je l'ai achetée auprès de Dreyim, un mage Telvanni de sinistre réputation. Je l'ai servi pendant de très nombreuses années, d'aussi loin que je me souvienne. Tiens donc. Je le servirai jusqu'à ma mort, qui ne devrait plus trop tarder. Alors, est-ce que vous vous disputiez avec l'un de vos enfants avant de discuter avec moi ? Ah oui, Mills. Mon fils ne m'a jamais pardonné de ne jamais avoir été là pour eux. C'est un étranger dans ma propre maison. Non, c'est plutôt le contraire. Même Neria s'est habituée à mon absence. Alors, vous pensez que Neria vous en veut également ? Neria moins que Mills. Mais mes deux enfants ont grandi sans moi. Mes devoirs envers Maître Drenny m'ont occupé une grande partie de mon temps. Mills, en particulier, n'a eu personne d'autre que Neria en grandissant. Il me méprise, et je ne l'en blâme pas. Je suis perdu. Pourquoi n'avez-vous pas passé plus de temps avec vos enfants ? Vous le saurez bien assez tôt. Eux aussi, j'imagine. J'ai échoué à leur servir de père, mais ils sont en sécurité, n'est-ce pas ? Panache, il est dans les fondations mécaniques. Je suis perdu. Je suis paumé. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas comment sortir de là. À l'aide. Que va-t-il se passer ? Je ne pourrais pas t'aider. Je vais mourir de vieillesse maintenant. Je ne pourrais pas t'aider. J'ai lié cette pierre à mon âme. Lorsque vous l'utiliserez aux endroits que j'ai indiqués... Vous ne pouvez pas voyager car il se trouve dans une zone verrouillée. Vous devez déverrouiller le contenu en achetant le pack Clockwork City. Ah, il n'est pas compris avec Pardonfell ? Parce que c'est la suite directe. Ce qui permet à voir ensuite. Je ne peux même pas te joindre dans ta zone parce qu'elle est verrouillée. T'inquiète pas, je ne suis pas si bon. Un coup de téléportation, ouais, c'est bon. Pardon, fallait que je me mouche. Ah, t'es perdu, le sage. Non, je suis pas perdu, je suis en train de papoter. Hein ? Non, je papotais avec le perso. Oh, il y a un monsieur qui est en train de pêcher. Pêcher le poisson. Voilà, il y a plein de quêtes du coup. Je ne sais pas si vous avez provoqué ces disputes entre votre père et vous. Oh, le saumon de 2 kilos. C'est un début. Votre père travaille avec des Telvanni. C'est mieux. Alors. Mais. Niveau chemin 4. Cette diablerie du démon. Là. Annoncez-moi niveau 4. Ouais, j'aimerais bien mettre le fuir le passé, parler au conseiller Eris. Avec la disparition de la nana, c'est troublant. Pourquoi la Dunmer a-t-elle disparu ? Ah, il y a une escalier. Faut que j'aille par là-bas. Et bien. Moi, j'attends que le. Que tout le chapitre, j'attends que le dernier DLC qui est sorti, j'attends qu'il soit en promo avant de l'acheter. Bah peut-être à Noël avec un peu de chance. Ils font un bon rabais quasiment. Ouais, un bon rabais sera pas pour Noël. À mon avis, comme il est frais, ils font que 20-25% au mieux pour Noël. Mais si tu le veux à 50, 60, 75, là c'est en année qu'il va falloir attendre. J'en ai peur. Sur un centre gaming, il est à 30 balles. Attends, sur la carte, elle est où ma maquette ? Instant Gaming. Ah, c'est en dehors de Balmora. Je sais même pas si j'ai un compte chez eux.
Tant qu'il fait encore jour, je peux aller en extérieur. Ouais, mais c'est surtout moyen de paiement parce que. Ouais, ouais. S'ils n'acceptent pas les moyens de paiement que je possède de mon côté à moi, moi je mets jamais une carte bancaire. Ah oui. Ouais. Je suis toujours en prépayé. Ouais. Je crois que j'ai un compte chez eux aussi, hein, chez Instant Gaming, il me semble. Ouais, j'ai un compte chez eux. Bah, je le savais, de toute façon. Bref, pour soulager. J'ai 8 articles dans ma wishlist. Bah voilà. Le catch 2022, je peux l'avoir à moins 64%. Ouais, Farfly 6, il a descendu vachement. Qui m'a attaqué? Oh mon dieu. 9,98€. Ils vendent ça au début 80 balles, mais ils sont tarés. Ouais. Et le Jedi Knight Definitive Edition, il a 6,63€. Eh ben. Cherche PC. La chambre Steam, évidemment. Un mouage d'Oemar. Il est en excellente condition. Non, on va faire une recherche oui, à profondeur. Je vais marquer cela. The Elder. Et là, un autre. Aurait-il pu tomber Elder Scroll Online. Oui, ouais, c'est Upgrade, c'est ça. Upgrade problème, les Chrome. Tu parais pour prendre Upgrade. Non, rien, je suis... 30 balles. Ils ont fait une place dans la vente. Pourquoi je... 30 euros, mais avec une réduction de moins 25%. Prends l'upgrade, je suis... Là où j'ai un doute, c'est si tu as accès à tous les chapitres précédents, mais normalement, oui. Dire quoi ? Vous êtes sérieux ? Normalement, le fait d'acheter juste ce truc-là, tu as accès à tout ce qui est sorti avant. Ouais. Bien sûr, normal. Je veux t'épouser. Je t'aime, mais j'attendais quelque chose de plus dramatique. Eh bien, je comptais te faire ma proposition à la carte. C'est vrai que l'année prochaine, il en sort une main de vous DLC. Ah, bah, il y en a un par an. Oui, mais... Il y en a un ou deux par an, des DLC de. Des eaux. Oui. Non, mais il n'y a qu'un seul, le chapitre qui sort par an. Oui, mon cher. Ah, mais après, c'était les packs, le machin chose, ça compte pas. Ça. Je veux t'épouser. Ah, bah, 30 euros. Il fait 40 euros de base, l'extension. Tu es la voûte céleste de mon ciel. Oui, mais... Poète eh bien, tu es la voûte céleste de mon ciel. Allez, au paiement. Je regarde qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Ah, génial. Ils peuvent prendre ma plateforme que je paye habituellement. Mais sauf que j'ai une commission de 3 euros supplémentaires. Quoi ? Ouais. J'ai une commission de 3 euros en plus. Je rentre au village, il faut absolument que je vide mes parts chez le marchand et qu'il remplace mes objets que je ne souhaite plus par des pièces d'or. J'avais quoi instant Kemi, j'ai aussi l'autre là. Games Planet. Non, pas Games Planet, ouais, Games Planet, mais j'avais l'autre là. Ah, c'est le seul que je me souviens. J'ai deux uns. Ah! Ouais, alors eux par contre, je vérifie un peu. Un peu moins sécure. Mais je suis. Il y a une plateforme qui est très intéressante si vous trouvez des perles vidéoludiques de plein de développeurs indépendants et visiblement elle n'est pas assez connue. C'est itch.io. Itch.io. Il y a plein de perles, surtout pour des jeux d'horreur, des petits jeux d'horreur indépendants, il y a des bons trucs. Ça perd les popettes. Upgrade Necrom en Deluxe. En Deluxe, 49 euros, avec une réduction de 2%. Ouais, c'est pas fou. Hein. Non, c'est pas fou. Ouais, bref. Là-bas, c'est là-bas. Eh ben, c'est troublant. Mais où étaient les marchands? Je me suis déjà perdu. Ah, ils étaient en haut, peut-être. Au pire, je vais pas m'embêter, je vais voir la plateforme directement de Steam. Je vais pas me fouler. C'est pas dit que tu as une réduction.
Non, non, j'ai pas la réduction. Je vais mourir c'est comme un caca, mais c'est pas grave, c'est pas la bonne cause. Bah 40 euros. 40 euros l'extension. Mais non, mais je reviens dans le temple, je veux pas aller dans le temple. 40 balles. Ouais, 40 balles. Toujours plus intéressant de prendre un Ascend Gaming. Ah, je T'es parti du secteur, le sage. Bah, je désespère de trouver un marchand. D'ailleurs, dans une époque future, il y a un prêteur à gages. Mais je l'ai pas croisé. Il faudra que je retourne. Maison, famille, Redoran. Oui, mais c'est pas des marchands. Attends, je me rends sur place où il y a un. Pour voir un truc, tu peux parler à n'importe quel Marlan. Marlan, oh là là. Marchand. Tu peux aller voir un aubergiste, c'est pas. Oh, j'arrive plus à parler là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas. C'est bizarre parce que. Désolé, je me trompe de touche. Ici, plus tard, je vous affirme qu'à Balmora, il y aura une baraque et ce sera celle d'un vendeur à gages. Enfin, un prêteur sur gage, pardon, comme on dit. Bah, tu peux vendre. Toujours prête à se battre. Tu peux vendre tes trucs, le sage. À elle? Alors que je suis pas de sa guilde? Oui. Tu peux vendre. Tu peux vendre. Un autre membre de... C'est qui? Mais tu peux pas acheter. C'est ah acheter, oui, je peux lui vendre mes trucs. Un... Merci, Dorian Sky. Ah, mais oui, parce que c'est la guilde des guerriers. Mais oui. Est-ce qu'il est free, ton merlan, dit Christella? Alors, il se trouve que, effectivement, je suis mort dans la lave il y a 5 minutes, mais bon. Aïe, j'ai du tout cuit. Pas cool. Bah en fait, j'ai nagé et j'ai pas trouvé le rebord. Mais tu vas voir, prends-moi la maligne quand tu viendras faire des trucs. Arc en érable. Pour l'instant, c'est du blabla, mais. Pas grand-chose, hein. Oui, du coup, pardon, c'est pas indiscret, Christella. Tu pensais mettre sur ton direct aujourd'hui ou pas, du coup, il fait trop chaud dans ton secteur? Je sais plus ce que t'avais dit, Christella, excuse-moi. Le pire que tu avais annoncé, mais ma mémoire, je l'ai effacé, je suis désolé. Pas de temps de rétablissement. Oh, il est pour moi. Bouclier d'exilé. Il est pour moi. J'ai fait un peu de place dans mes poches. Moi, je suis content. Mm-hmm. Ça va cuire une route. Alors là, bon, pas perdre de temps. Cantine, bon, Venturi, cette cantine est censée vous appartenir, mais vous n'avez plus qu'un souvenir trouble. Enfin, sans compter. Est-ce que bien tu peux réparer tes armures, tout ça? Pas de là, il fait trop chaud aujourd'hui. D'accord, Christella, ok, je comprends. Ah, bah c'est pas grave. Moi, ça va, c'est supportable, il fait pas trop chaud. Ah, coucou, Aero. J'espère que tu vas bien. Ah oui, en compagnie avec le singe sur tes dos. Oui, c'est gentil, il passe à Aero sur ton canal. Ouais, il passe dire bonjour à tout le monde. Sacré Aero. Sur 4 commandes pêche de la journée, 3 fois, j'ai rien joué. J'ai avec le singe et puis Nash et Twitzen. Je sais, je suis le singe en même temps. Yep. Alors, pour créer les objets du type Daedric, je vais garder. Ginkgo, ingrédient pour réparer. Ah, préparer des boissons, tu m'étonnes. Griffo, signifiant givré. Enchantement de l'armée glace, de l'arme glacée. Oh, dégâts de givre. Oh, génial. Glyph, c'est bien, je suis tout dans la glace, je suis trop content. Santé maximale, jambes en fer. Tant que tu jettes pas un froid à tout le monde. Je fais de la maîtrise du travail du bois. Tu m'étonnes. Permet d'utiliser de l'érable poncé. Bon, de toute façon, 0 pièces d'or, ça n'intéresse pas. Dans les recettes, je les garde. Collier en étain. Ah oui, je l'ai sur moi. Ouais. Tu m'étonnes. J'ai vendu que cet objet. Oula, ça fait peur. Parce que tout le reste n'a pas de valeur. Il faudrait que je fasse de l'artisanat, moi. Empiler tous les objets. Mes objets sont déjà empilés. Oups. Je suis lourd comme un chac, à mon lieu. Attends, les recettes, je peux pas les lire. Au moins, elles sont plus dans l'inventaire. Je les aurais en savoir, non?
Dieu, je trouve le chemin pour les chez Vivek. Hein. Utiliser. Ah, la bière Wound à la noisette. Ah, mais voilà, vous avez appris à fabriquer de la. Ben voilà, je vais lire toutes les recettes. Tac, 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 tac. Donc ça, je libère de la place. Voilà. Préparation. Non, 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 non. Ah, il faut faire utiliser. Voilà, c'est bien. Ça me va très bien. Ah bah je me sens mieux là déjà au niveau de l'inventaire. D'accord. Succès déverrouillé. Fabricant de mobilier enchanté novice. Fabricant de mobilier en bois novice. Oh. Alors, est-ce que j'ai de nouveaux trucs? Non, j'ai pas de notif. J'ai. Non, c'est là où ça clignote qu'il y a de nouveau et c'est ça. Monde, blablabla. Ah, guilde, j'ai des nouveaux pouvoirs. Guilde des mages. Ah oui, c'est ça que tu disais, Dragon Sky. Le météore, le rayonnement, le. Bah, ça vient petit à petit. Artisanat, waouh, la couture, la cuisine, l'enchantement et le travail du bois. Alors, en couture. On va utiliser la toile de jute et la peau brute. Oh là là, magnifique ça. Cuisine. Oh, je vais devenir cuistot. Amélioration des recettes. On va préparer des recettes jusqu'au niveau 19. Qualité des recettes. Améliore la qualité. Ouais, d'accord. La cuisine. Enchantement. Amélioration de puissance. On va utiliser les runes de puissance. Blablabla. Des glyphes de niveau 1 à 15. Amélioration d'aspect. Oh la vache. Alors, travail du bois. Permet d'utiliser l'érable poncé. Amélioration débloquée quand travail du bois. Blablabla. Oh la 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 la. Magnifique. Ouais. Oh, un brème du Danube. Mais t'en manques encore. Bien. Il manque encore des trucs. Heureux coucou à héros. Non, mais c'est magnifique. C'est, je suis admiratif. Et surtout de l'imagination des concepteurs. C'est. Waouh. Mais c'est cohérent en même temps. J'aime bien. C'est cool. Alors. Eh ben, je vais retourner dans la. On peut faire la mine ou la malheureuse qui est perdue, là. Quand ah, j'ai la fameuse mine, ouais. Ouais, j'ai libéré enfin, de la place de mon inventaire. Que j'avais pataté tout le monde tout à l'heure. Et oui, je me suis barré parce que mon inventaire était plein, je suis isolé. Attends, cette porte, je l'avais même pas vue, c'était quoi ça? Hein, c'est pas une porte, c'est une tombeau ancestral pendant un frottis. Oui, oh. Je snob. Attendez, je suis perdu. On a frottis. Oui, excuse-moi, dans le sky. Mais. Attendez, je me suis planté dans mes quêtes, moi. Fuir le passé. Parler au conseiller. Franchir le brouillard. D'ailleurs, le gouverneur demandait machin. Oui, ça, j'y reviendrai plus tard. Oh, une ligne de compétences obtenue, la forge. Ouais. Fabricant de mobilier et de métal. Entrer dans le palais de Vivec. Chouette, hein. Parler à Curnure. Oui, mais il est à Vivec Curnure. Donc, ce serait fuir le passé et parler au conseiller Eris. Non, bah, c'est bien la quête que j'avais. Donc, c'est par là-bas. Donc, on reste en ville, Dragon Sky, désolé. Parce que j'ai la quête de la nana. J'ai débloqué la forge, je permets d'utiliser des lingots de fer. Ouais, oh, ça, bravo à toi. Bien. C'est bien. Mineur, extraction de métal, métallurgie. Expert de la trempe. Oh là là. Ouais, j'ai débloqué les compétences forge. Demain, forgeron maintenant. Après d'être bandit, je suis forgeron. La vraie menace est au sud. T'es passé où? Tu t'es téléporté? Je suis revenu dans le village, dans la partie supérieure, et je parle à une Redora qui me dit que le conseiller ne sait plus où donner de la tête, que la vraie menace est au sud. À cela, je réponds, quelle menace parlez-vous? La maison là, à Lu, grignote les terres ancestrales des Redoranes. Elle y construit même des complexes. Je le voyais venir depuis que nous avons laissé le fort Brûle-Falaine à l'abandon. Dès qu'on baisse sa garde, ces scribes de là à Lu raflent tout ce qu'ils peuvent. Le fort Brûle-Falaine. Oh, il va vraiment disparaître, parce que dans le futur, ce nom ne me dit rien. Oh, merci. Faut pas de faire des galipettes dans les maisons. Quoi? Ah, non mais des sages. Dragon Sky a une vie passionnante, comme vous le savez. Celle-là ne nous regarde pas.
Non, parce que je voyais que tu faisais une roulade, mais j'appelle ça une galipette. Oui, mais on pourrait mal interpréter. C'est une autre manière de saluer les gens, Dragon Sky. C'est la main qu'il faut serrer, pas autre chose. Excuse-moi, c'était totalement gratuit. Je sais, c'était une petite blague, voilà. Ah bah voilà, bravo. Rigolote aussi, voilà. On a oui, c'est vrai qu'on peut l'interpréter d'une autre façon, mais voilà. Bah, c'est fait. C'est bien, je vois que ça réagit dans le chat. Ah là 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 là. Déconnade. Enchantement amélioré jusqu'au rang de... Cool. J'ai obtenu la compétence enchantement. Ouais. Ah. Bien. Il est en haut, il y a l'étage. L'intéressé est à l'étage. Ouais. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oh, gentle dame. C'est le sergent Feldus qui m'envoie, il m'a dit que vous avez besoin d'aide pour trouver votre fille. Oh, charmante dame. Oh, cette image, c'est troublant. Oh. Vous savez que votre fille connaît vos hommes et leurs habitudes. Moi, elle me connaît pour un. IB. Oh, avec ses fleurs, c'est beau. Oui. Je peux faire quelque chose pour vous, étranger. C'est le sergent Faldrus qui m'envoie. Il a dit que vous aviez besoin d'aide. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ma fille est partie depuis trop longtemps. Les gardes de notre maison ont l'air d'une incompétence crasse. Mais pourquoi devrais-je vous faire confiance? Dites-moi, étranger, comment réussirez-vous là où mes forces échouent sans cesse? On dirait que votre fille connaît vos hommes et leurs habitudes. Moi, elle ne me connaît point. Intéressante idée. D'accord, je vais essayer de trouver votre fille. Vous trouverez peut-être ma fille. Veya peut se débrouiller, mais un père s'inquiète forcément, vous le comprendrez. Mais je suis du même avis que vous. C'est pourquoi je suis disposé à impliquer un étranger. Bon, ben voilà. Racontez-moi ce qui s'est passé. Veya a pris la fuite après un désaccord familial. Ce mariage forcé. Pas sa première fugue, mais je crains qu'elle n'ait cette fois des idées plus permanentes et plus dangereuses. Veya sait comment éviter la garde de la maison. Mais comme vous le dites, vous, elle ne vous connaît pas. Bon, bah d'accord, j'essaie de trouver votre fille. Le capitaine Brivan supervise les efforts de la maison pour retrouver ma fille. Vous devriez lui parler pour savoir où il en est dans son enquête. Où puis-je trouver le capitaine Brivan? Probablement en train de patrouiller dans le centre-ville à cette heure de la journée. Les soldats de Brivan ont essayé d'obtenir des informations auprès des amis de Veya. Mais ces jeunes hommes et femmes sont aussi doués... C'est quoi l'espèce de truc vert, là? Ma fille. Voilà, j'ai flippé pendant 2 secondes. Oui, t'as découvert un nouveau Pokémon? Ouais. Alors, vous aviez parlé d'une querelle de famille... C'est une affaire privée. Si votre enquête porte ses fruits et que ce sujet devient d'actualité, nous pourrons en discuter en détail. Mais pas maintenant. Votre épouse accepterait-elle de me parler? Comme ma fille, ma femme n'en fait qu'à sa tête. À vous de décider ce que vous vous direz. Mais comprenez bien, je ne vous engage pas pour résoudre les problèmes de ma famille. Je veux juste retrouver ma fille. Vous avez dit que Veya pourrait être impliquée dans quelque chose de dangereux. Veya a toujours été fascinée par la Morag Tong. Ah bah d'accord. En grandissant, elle était en admiration devant un de leurs agents. Il est possible qu'elle ait cherché refuge auprès de lui, voire même décidé de rejoindre l'organisation, même si j'espère avoir tort sur ce point. Oui, c'est en gros, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, c'est comme si le père venait d'avouer que sa fille avait un coup de béguin pour un membre de la pègre. Ah, puis pas la petite pègre, hein, la grosse, celle des assassins. Parlez-moi de la Morag Tong. La Morag Tong,
C'est une ancienne guilde d'assassins autorisée par le tribunal pour effectuer des exécutions honorables. En théorie, leur présence est censée empêcher les maisons de se faire la guerre, mais je trouve tout de même cette pratique barbare. Ouais, la moratongue, leur mission, soit ils la réussissent sur le fil de rasoir, soit ils échouent en plantant tout. Et l'argent de Veya... Quoi ? Que Veya admire. Ah, l'agent, c'est pardon, pas l'argent. C'est quelqu'un sans importance pour l'accomplissement de votre mission. De toute façon, il est impossible de trouver les agents de la moratongue. Ce sont eux qui vous trouvent. Et il vaut mieux espérer que ce n'est pas pour accomplir une de leurs sentences. Mmh. Eh bien... Malheureusement. Ce sont les erreurs hein, du direct, de toute façon. C'est... Ça devait arriver. Ah, t'as un souci, mon pauvre Dragon Sky, sur ton canal. Oui, ça, OBS a complètement crashé. Ah merde. Bah alors. Et ça m'a déconnecté le jeu. Ah oui. Ah effectivement. En plein temps et puis le truc il a. Bring. Alors, je t'attends dans la maison du capitaine. Moi, je vais couper justement mon enregistrement parce que ça va faire 2 heures. Ce sera bien pour YouTube, pas faire un trop gros bloc. Pour refaire un réenregistrement. Et le temps que tu me rejoignes dans le jeu, moi, je vais aller me rafraîchir 2 petites minutes. Bon, c'est pas que ça va recommencer le bug de la dernière fois. Sinon, c'est le bazar. Hein.